Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue au concert musical sino-français de la mi-automne 2021, organisé par le Centre culturel de Chine à Paris. Pour les Chinois, la fête de la mi-automne est une grande fête traditionnelle. En ce jour, les familles chinoises se retrouvent joyeusement réunies pour admirer la pleine lune, déguster les cadeaux de lune et deviner les énigmes écrites sur les lanternes. Dans la culture chinoise, il ne manque pas de légendes fabuleuses et de grandes œuvres littéraires sur la fête de la mi-automne, qui expriment les aspirations des populations chinoises à la réunion familiale, à la concorde et au bonheur de la vie. Ces dernières années, avec l'approfondissement des échanges culturels sino-français, la fête de la lune de la mi-automne est devenue un symbole de la culture chinoise très connue et très appréciée en France. Ce soir, une quinzaine de maîtres musiciens venus de Chine, de France et de Suisse vous offriront un programme de 10 œuvres classiques et de création originale sous forme d'une belle rencontre entre la musique folklorique chinoise et la musique occidentale. Vous entendrez un émouvant récit mélodique sur des histoires chinoises et sur la lune, la réunion et l'amitié, et recevront les meilleurs vœux de bonheur familial, d'affection des cœurs et des réjouissances mi-automnales. La musique, bien que dénuée de paroles, est très expressive en sentiments et peut constituer un pont entre tradition et modernité, Orient et Occident, et entre la Chine et la France. Je voudrais profiter de cette occasion pour partager avec vous quelques anecdotes des échanges sino-français dans le domaine musical. En octobre 2004, le grand maître de l'électronique Jean-Michel Jarre a donné un grand concert à la Porte du Midi de la Cité Interdite à Pékin, marquant le prélude de l'année culturelle française en Chine et un moment fort des échanges culturels sino-français. En 2014, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques sino-françaises, l'actrice iconique française Sophie Marceau et le célèbre chanteur chinois Liu Huan ont interprété en duo « La vie en rose », laissant un merveilleux souvenir dans les cœurs d'1,3 milliard de Chinois. L'année dernière, au plus fort de l'épidémie de la COVID-19 en Chine, 40 comédiens, chanteurs français ont chanté en chœur une chanson qui s'appelle « Together » pour encourager Wuhan et la Chine, une belle illustration de l'amitié profonde et de la solidarité entre nos deux peuples dans la lutte contre l'épidémie. En tant que représentant par excellence des civilisations orientales et occidentales, la Chine et la France sont deux nations dotées d'un grand esprit d'ouverture. L'amitié entre nos deux peuples remonte loin dans l'histoire et la coopération entre nos deux pays porte des fruits abondants dans de larges domaines. Comme le président chinois Xi Jinping l'a souligné lors de sa visite en France en 2019, la Chine et la France pourront avancer plus loin dans leur coopération culturelle et jouer un plus grand rôle exemplaire et pionnier dans les échanges culturels et humains entre la Chine et l'Occident. Dans le contexte sanitaire particulier de la COVID-19, ce concert musical virtuel organisé par le Centre culturel de Chine à Paris permet au peuple chinois et français de se réunir en ligne pour vibrer ensemble au son de la musique, vivre les mêmes émotions et transmettre l'amour et l'amitié.
Comme un célèbre poème antique chinois dit, au lever de la pleine lune au-dessus de la mer, ma pensée vole à la rencontre de mes proches de l'autre bout du monde. Profitons ensemble de ce festin musical. Admirons ensemble le clair de la lune et passons ensemble un moment inoubliable. Pour terminer, je souhaite à vous tous une joyeuse fête de la mi-automne et plein de bonheur. Que le concert soit un plein succès. Je vous remercie.